On m'a perdu, c'est moi qui je suis un astronaute. Et comme je m'appelle Dirk, ma vie n'est pas. Il a toujours le pas aussi alerte, Dirk Freeboot, comme s'il était descendu tout droit de son vaisseau spatial. Celui qui a été le premier astronaute belge a rendu une visite aux élèves de deuxième année du lycée provincial d'enseignement technique de Saint-Guilain. Une façon de les intéresser aux études scientifiques, mais aussi de les faire rêver. C'est important pour les jeunes d'avoir des rêves et d'essayer de te penser maintenant qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie. Et ces années sont tellement importantes parce que ce qu'ils vont faire le reste de leur vie, ça dépend de 5 années ici que ce qu'ils font. Hein. Eh bien, ils doivent se rendre compte de ce message. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous avez, vous voulez tout de suite une réponse au bon moment, donc vous y pensez, n'hésitez pas pour lever la main. Moi j'ai eu ce rêve aussi, hein, donc il faut beaucoup d'efforts, c'est un défi, il faut pas abandonner tout de suite. Hein, pour moi ça a duré aussi longtemps, je dis ça, c'est 20 ans avant que j'ai été dans l'espace, eh bien... C'est avec des hauts et des bas, hein. Il faut persévérer. Mais ce n'est pas seulement pour aller dans l'espace, pour tout ce qu'on fait, c'est comme ça. On m'appelle Dirk Freeboot, le seul astronaute flamouche. Objectif 2035 et un voyage possible sur Mars. Dirk Freeboot en est convaincu. Alors rendez-vous dans 20 ans, la tête toujours un peu plus dans les étoiles. C'est pas pour les bêtes.